Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur la chaîne YouTube du Rugby Club de Haguenau, aujourd'hui pour l'entraînement de l'école de rugby. Alors cette opération a été rendue possible grâce à l'engagement spontané de quelques éducateurs. Nous avons monté cette opération en un temps record, moins d'une semaine. Et pendant tout le confinement, nous vous proposerons régulièrement des séances de sport, diverses activités, des défis et même quelques surprises. Alors l'équipe qui a organisé tout cela est constitué sur le plan sportif de Jérôme et Jérémy, ainsi qu'Étienne, joueur à Chambéry. Pour l'organisation générale, nous avons Stéphane, DM16, Eric et Jean-Philippe, DM12, Olivier, DM8, Thiéphen, notre arbitre. Et pour la communication, il y a Yann et Alice. Participent également à cette opération Zoé, Stéphane, DM6, Sébastien, DM10, Élise et Alain, DM16. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre le groupe, nous faire des suggestions, des propositions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vous prie tout d'abord de m'excuser pour la qualité de cette retransmission qui est un peu aléatoire. On est encore en phase de rodage. La régie est assurée par Stéphane qui est bloqué à Paris. Donc, je suis en contact avec lui par l'oreillette via WhatsApp. Mais suivez-nous également sur les réseaux sociaux et ensemble, continuons le jeu. Vous êtes prêts? On va passer au sport? C'est parti. On va commencer par prendre le tabouret. On s'assoit sur le tabouret, on décolle les jambes du sol. Les bras sont en bas. On va les monter en croix, les passer à l'avant, puis sur le haut. On redescend doucement, on fait ce mouvement quelques fois, doucement. Pour commencer à s'échauffer. En croix, en avant, en haut, on revient. En croix, en avant, en haut, et on revient. En croix, en avant, en haut, et on revient. Voilà, on s'est fait échauffer un petit peu. On va refaire ce mouvement, toujours pied décollé, avec un peu plus de peps. Allez, c'est parti. On met un peu de rythme et on profite bien pour respirer. On inspire quand les bras montent, on expire quand les bras descendent. Allez, on essaye d'accélérer le mouvement. De plus en plus vite. Allez, on sent que ça chauffe sur le haut des épaules. Allez, on ralentit et on s'arrête. On repose les pieds. On va mettre le tabouret de côté. On va continuer à faire quelques mouvements de bras. On écarte les bras, on les ramène. On écarte, on ramène. On écarte, on ramène. On fait d'abord lentement, quelques mouvements lents pour s'échauffer et on accélère. Et on respire pendant le mouvement. On fait ça plusieurs fois. On sent toujours les épaules qui commencent à chauffer. Et si c'est le cas, c'est parfait. Les épaules font bien. Ok, on va varier un peu. Passe les bras, on les écarte. En diagonale. On cherche bien sur l'arrière. Faites des mouvements amples. Étends un peu les épaules, les bras, et on va passer à autre chose. Maintenant, on va faire une légère rotation du bassin. Un bras qui monte, l'autre qui va chercher sur les épaules, le premier qui cherche très loin, il essaie d'aller vers le sol, le deuxième qui va vers les selles, et avec une petite torsion du bassin.
Et on change de côté. D'abord doucement. Et on y met le rythme. Et on profite bien pour respirer. Encore quelques mouvements. Allez, c'est bon. On se détend bien les bras. Donc maintenant, on va faire quelques mouvements rapides. Bras vers le bas, bras vers le côté, bras devant, bras en haut. Et on compte chaque fois 10 mouvements de chaque. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se détend. On respire. On recommence un coup. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose les bras. Je vais régler la caméra pour aller un peu plus bas et on va faire un exercice au sol. Jambes légèrement écartées. Donc on va faire tout simplement un exercice d'étirement. Le bras va aller sur un pied, puis sur l'autre. Puis on va passer au milieu, on tire bien loin derrière. Et on va s'allonger sur le dos, on lève les fesses, on tient quelques secondes. Si c'est compris, ben on y va. 1, 2, on tire bien aussi loin qu'on peut, on revient vers l'arrière, on lève les fesses. On repose doucement, on expire et on recommence. Troisième cycle. Quatrième cycle. Et un cinquième et dernier. On repose. Vous allez vous mettre assis sur les talons, dos bien droit. Les bras reposés sur les cuisses, se concentre, on sent bien son corps, on sent bien sa respiration. Une fois que c'est fait, on va s'allonger vers l'avant et jusqu'à faire la planche. On revient, on repasse sur la position initiale, dos bien droit. Et c'est reparti. Mais là, on va lever la main droite. On tient quelques secondes. On revient. Et on se remet en position initiale. Pour ceux qui n'arrivent pas à lever la main, c'est pas grave, faites la planche. Bien. On lève le pied droit. Autour du côté gauche, main gauche. Et on recommence, si vous le revez deviné, pied gauche.
On va se refaire un cycle. On essaie de rester un peu plus longtemps en position de la planche. Main droite. 1, 2, 3, 4, 5. Faites des mouvements tout court, ce n'est pas la peine de heurter les choses. 1, 2, 3, 4, 5. Côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour finir, le pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On s'en refait une petite? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On repose doucement, on revient à la position assise. C'est bon, vous êtes chaud maintenant? On va passer à quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc vous avez peut-être suivi ou regardé la vidéo, la première vidéo qu'on vous a postée avec le club de fitness de Strasbourg. Donc on va faire un exercice qui est montré. Position de la planche. Il s'agit de ramener une jambe vers l'avant, puis l'autre. Et on va faire ça en mettant du rythme. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On souffle et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se remet en position assise. Sa respiration et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si vous n'arrivez pas jusqu'à 20, faites-en moins, c'est pas grave. Si vous pouvez faire plus, faites-en plus, c'est très bien. On se fait un petit cycle encore. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on revient. Souffle. Pouvez-vous relever et boire un coup si vous en avez envie. On va continuer debout maintenant. Donc, on va continuer à faire monter le cardio. Ceux qui ont une corde à sauter, vous la prenez. Sinon, c'est pas grave. On fait comme si on en avait une. On fait de l'air corde à sauter. Allez, on va enchaîner différents mouvements. Un premier, sauter de corde, 10 fois. On va basculer sur ses appuis, 10 fois. Faire des petits pas, 10, et pour s'arrêter en position fléchie, bien sur ses appuis, dos droit, tête relevée. Vous êtes prêts? C'est parti. Corde à sauter, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence.
qu'on va sauter 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Appuie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Refais un cycle. Respire bien entre les deux cycles. Allez, corps va sauter. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'en fait une petite dernière. On respire bien. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reprend son souffle. On inspire. On expire. Fais ça quelques fois. Allez boire un coup. Si vous le sentez. Avant de passer à la suite. Pour la suite. Allez, à votre santé. Pour la suite, on va faire avec un ballon de rugby. Si vous avez, si vous n'avez pas, ça peut être un autre ballon. Un ballon de foot, un ballon de hand. N'importe quoi, pas de ballon lesté s'il vous plaît. Ou alors tout bêtement, une bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau, ça fera l'affaire aussi. Moi je vais le faire avec le ballon. Donc maintenant, on va enchaîner 10 squats. Donc si vous avez regardé la vidéo du Fitness Club de Strasbourg, vous savez ce que c'est. Puis 10 fentes. Donc on va faire des squats jump. C'est-à-dire qu'on va reprendre la balle, bien saisie à deux mains comme si on était en train de courir sur le terrain. On va fléchir sur les jambes et au retour, on fait un petit saut. Donc on va faire ça 10 fois et enfin enchaîner avec 10 fentes. Fente, c'est fléchir vers l'avant et on en profite pour passer la balle sous la jambe. Vous êtes prêts? Attention, ça va pulser. Allez, c'est parti. 10 squats. 1, 2, avec le jump. 3, 4. Et on fait bien le mouvement de descente. 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne tout de suite avec les fentes. 1. On alterne les côtés. 2. 10. On souffle. On va faire un cycle. Vous êtes prêts? C'est parti. Tiens bien la balle. Ça vous fait le dos ou son doudou, comme on veut. Squat. On enchaîne avec les fentes tout de suite. Vous êtes toujours avec nous? On reprend son souffle. On va s'en faire une petite dernière. Allez, c'est parti.
Éléphante. Et voilà. On reprend son souffle et on va se désaltérer un petit peu. Vous y êtes? Parce que c'est pas fini. Donc, pour la suite, il vous faut 3 balles de rugby, ou 3 bouteilles, 3 autres balles, peu importe. Ça peut être 3 chaussettes si vous avez. Placé au fond du terrain, pas tout à fait contre le mur, faites 3 pas en avant, vous posez une balle par terre. Je refais mes 3 pas en arrière, j'ai une deuxième balle à côté de moi, et je prends la troisième balle en main. Alors sur cet exercice, faites bien attention de ne pas trébucher sur la balle, il ne s'agit pas de se blesser. Donc on va partir balle en main, on va faire ces 3 petits pas, mais en courant, on aplatit la balle et on prend l'autre balle. On recule, on aplatit la balle et on prend la balle qui reste. Et on va faire cet aller-retour 10 fois. En courant, bien sûr. Vous êtes prêts? Allez, top départ. Et voilà. On respire. On va boire un coup si vous voulez. Et on va réenchaîner pour une nouvelle séquence. C'est parti. On respire. Respirez bien. Vous voyez, 2 semaines de confinement, on est déjà essoufflé après avoir fait 10 minutes d'exercice. Terrible, non? Allez, on va faire une petite dernière. Parti. Et voilà. On pose les balles de côté. Et maintenant, on va faire retomber le rythme tout doucement. Placez-vous bien droit, jambes légèrement écartées, légère rotation du bassin, de sorte à sentir son centre de gravité au niveau du nombril. Vous pouvez fermer les yeux, c'est un lieu. Quand vous le sentez, on s'immobilise. On rouvre les yeux. On va faire un mouvement vers le haut. En inspirant. Puis vers le bas. En expirant. On va faire ça à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'on sente son rythme cardiaque
revenir à un rythme normal. Se mouvant de manière très ample et tout doux. Il est destiné à faire retomber le rythme cardiaque. Vous y êtes? On va passer au dernier petit exercice. Vous munissez de votre gobelet. Alors avec un gobelet FFR, ça sera beaucoup plus facile. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Donc mouvement de relaxation cette fois-ci. Toujours les pieds légèrement écartés. On tient le gobelet au niveau de son nombril. Légère rotation du bassin pour sentir son centre de gravité au niveau du nombril, le cercle est toujours plus petit et on s'arrête. Une fois que c'est fait, je viens un peu pour la caméra. Une fois que c'est fait, on, avec le bras droit, on lève le verre doucement, comme si on allait boire. Mais on ne va pas boire, on renverse le verre sur la tête. On va chercher loin, loin, loin derrière. Et on revient. Le mouvement est très lent, très lent. On passe le gobelet à la main gauche qui va faire la même chose. On inspire quand le gobelet monte, on expire quand le gobelet descend. Et on revient ensemble. Vous avez compris l'exercice? Allez, on va faire ça 7 fois. On va voir sur la tête. Passe derrière ou cherche loin derrière en expirant. Le gobelet change de main. On va voir. On renverse sur la tête. On cherche loin derrière. Et on revient. Pensez bien à expirer, inspirer. Deuxième. Gauche, inspire, expire, troisième, droite, va voir, on renverse sur la tête, on cherche derrière, et on revient. Gauche, on va voir, sur la tête, on cherche loin derrière et on revient. Quatrième. Inspire. On expire. Et on passe sur la gauche. Et on revient sur la droite. Cinquième. Sur la gauche. Sixième. On va voir. On verse le gobelet sur la tête. On va chercher loin derrière. Et on revient pour la gauche. Expirez. Et le dernier mouvement droite. Dernier mouvement gauche. Et on revient. On marque un temps d'arrêt. Et normalement là, vous êtes revenu au calme. En pleine transpiration, mais ok.
C'est bon, la séance est finie pour aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir encouragé en suivant cet entraînement. Donc encore, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc au hashtag Continuons le jeu. De nous envoyer vos photos, vos petites vidéos à rch.clj2020@gmail.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-nous, abonnez-vous sur... Donc pour vous abonner, il faut cliquer sur le pouce bleu. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter. Voilà. Comme le diraient les Cherry Blossoms, Domo Arigato. Restez chez vous, soyez prudents, prenez soin de vous. Bon week-end. Au revoir.